Je suppose que vous avez déjà été ou rêvé d'aller une fois à Disney World. Vous savez, ce magnifique parc où il y a plein de trucs méga stylés, méga chou et méga mignons. Oui, mais crois-moi, après avoir vu cette vidéo, tu auras beaucoup moins envie d'y aller. Non, parce que même moi, j'ai été choqué de savoir tout ce qui se passe là-bas. Et quand je te parle de tout ce qui se passe, on parle pas de petites affaires nulles en mode un électricien a oublié d'éteindre les lumières. Non, non, non. On parle vraiment de putain d'affaires clairement étranges qui se passent actuellement à Disney. Mais histoire que vous sachiez directement de quoi je parle, je vais vous mettre dans le bain avec une vidéo sur laquelle je suis tombé. Et c'est cette vidéo-là qui m'a donné envie de réaliser une putain d'enquête sur Disneyland. Et vous allez voir que ce qu'on va retrouver est clairement traumatisant. Vraiment. Je suis tout d'abord tombé sur cette vidéo-là. On y voit une soirée à Disneyland tout à fait normale, avec des feux d'artifice. Génial, hein? Mais regardez, à la 13e seconde d'abord, ce qu'on voit sur les toits de Disneyland. La vidéo s'appelle « On a filmé un esprit à Disneyland ». C'est étrange, hein? Et tu t'en doutes, mais tout internet a littéralement explosé lorsqu'ils ont vu cette vidéo. Plein de personnes ont donc essayé d'enquêter sur cette vidéo afin de savoir de quoi il s'agissait. Et c'est également ce que vous allez comprendre dans cette putain de vidéo. Mais on reviendra là-dessus à la fin. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter la première affaire qui s'est passée à Disneyland et qui a lancé toute cette enquête. C'est bon, t'es posé? Tout a débuté dans l'appartement dans les années 1900 de Walt. Walt qui est donc un des créateurs de Walt Disney. T'es prêt pour ce petit épisode de Thread Paranormal où on va enquêter pour connaître tout ce qui se cache derrière le parc de Walt Disney? Bien sûr, c'est le cas, bienvenue dans Thread Paranormal! Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous choisir un putain de thème que vous m'avez demandé environ 1 947 000 fois. Surtout quand la vidéo est sortie, tout le monde était là. Noah, explique-nous qu'est-ce qui se passe là derrière. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe à Disneyland? Très bien, vous m'avez appelé, me voici. En route vers le million. Je suis sorti du cadre, pardon. Non, en vrai, ça faisait méga longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus. Parce que, putain, tout ce qui se passe derrière ce putain de parc est clairement étrange. Et crois-moi, si t'avais prévu de dormir cette nuit, va falloir annuler. Vraiment. Ou alors faut que tu regardes cette vidéo avec un de tes potes. Sinon, ça va vraiment être très, très glauque. Petite info sur mon Instagram juste ici, je réponds à tous vos messages durant une heure après la publication de cette vidéo. Fais-toi plaisir. Merci. Mais bref, revenons dans les années 1900, là où tout a commencé. Lorsque vous entrez dans Disneyland, vous passez sous les rails du train. Juste après, sur le côté gauche de la rue, à côté des toilettes de l'hôtel de ville, se trouve la caserne des pompiers. Lorsque Walt Disney était en vie, il avait un appartement au deuxième étage de cet immeuble. Il a utilisé comme base d'accueil, en quelque sorte, pendant la construction du parc, et y est resté souvent après l'ouverture de Disneyland. Il a même accueilli de nombreuses célébrités dans cet appartement-là, et notamment des chanteurs, des danseurs et plein de personnes que tu connais, je suppose. Je sais pas, moi, Lady Gaga, Britney Spears et tout ça, enfin, ce sont des exemples, hein, tu fais ce que tu veux, évidemment. Pas dans les années 1900, hein, je parle de maintenant, enfin... Oh, t'as compris, hein. Mais il y a déjà un premier truc assez étrange qu'on a repéré à ce moment-là. Chaque fois que Walt se trouvait dans le parc, il allumait une lampe à la fenêtre de la caserne des pompiers pour faire savoir aux gens qu'il était là. Mais apparemment, aujourd'hui, des années après sa mort, beaucoup de gens disent que Walt n'est jamais parti. Selon une légende réelle de Disney, peu après la mort de l'oncle Walt, une femme de ménage était en train de nettoyer l'appartement et a remarqué que la lampe était allumée. Elle l'a éteinte et est partie pour l'avoir allumée à la fenêtre quand elle est sortie. Elle a alors fait ce que n'importe qui ferait dans cette situation. Elle est retournée dans l'appartement et a éteint la lampe. Quand elle est retournée dehors pour la deuxième fois, la lampe était de nouveau rallumée. Elle y est retournée, elle est éteinte. Mais cette fois, elle n'a pas quitté l'appartement. Et là, la lampe s'est rallumée, juste devant elle. Personne n'a essayé d'éteindre la lampe depuis. Elle est laissée allumée pour symboliser la présence de Walt Disney dans son Disneyland bien-aimé. À ce jour, les membres de la distribution rapportent des bruits de pas et des coups provenant de l'appartement de la caserne des pompiers. Surtout durant la nuit, vers 3h du matin. Étrange, hein? Surtout lorsqu'on sait que de nombreuses enquêtes ont été menées à cet endroit, et qu'on a retrouvé des empreintes. Des empreintes de Walt Disney. Des empreintes datant de 1900,
Étrange, les empreintes tiennent jamais aussi longtemps. Et c'est là que va débuter l'enquête sur les mystères du parc Disneyland. Car oui, quelques années plus tard, une nouvelle enquête va faire surface. Je sais, tu kiffes déjà cet épisode, tu peux le lire, tu peux tout à fait le lire, moi j'adore aussi, t'inquiète pas. Et je dis beaucoup trop de fois, tu peux le dire dans mes épisodes. Non mais, vous me l'avez dit en commentaire que je fais que de dire, tu peux le dire. Et c'est vrai, j'adore dire ça, je sais pas pourquoi. Pardon, je continue. La suite s'est passée en 1966. Un garçon de 19 ans attendait de se faufiler dans Disneyland pour une soirée de remise de diplôme. Oui, parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, chaque année en juin, Disneyland Paris est ouvert en fait pour la remise des diplômes des secondaires. Voilà. Donc en fait, le soir, t'as des personnes qui viennent et qui font la fête et tout parce qu'ils ont leur diplôme. Voilà. On s'en bat un peu les couilles, mais ça sera important pour la suite. Quoi qu'il en soit, Thomas Cleveland s'est faufilé par-dessus une clôture d'enceinte et sur la piste du monorail. Un garde de sécurité l'a vu et a essayé de l'avertir de descendre, car c'est un endroit très dangereux. Le pauvre Thomas n'a pas écouté. Il s'est juste enfui pour ne pas avoir d'ennui. Il aurait dû écouter, car à ce moment-là, un train est arrivé de toute vitesse et a heurté Thomas. Il a été écrasé par le train monorail et a été traîné sur une distance de 30 à 40 pieds avant que le train ne s'arrête. Vous imaginez la scène? Non, je te déconseille d'imaginer, mais c'est pas tout. J'ai pu retrouver un des témoignages réels de l'époque. Et regardez ça parce que c'est clairement glauque. Lorsque je travaillais à Disneyland, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles parfois, tard dans la nuit, les membres de la troupe qui conduisait le monorail voyaient un jeune homme courir le long des rails du monorail à l'arrière du parc, à l'endroit où Thomas est mort. Une minute, le personnage était là, et la suivante, il avait disparu. J'ai entendu dire que c'était très effrayant. C'est donc là que je suis venu à ma première petite théorie, finalement. Est-ce que Walt Disney aurait pas été assassiné à Disneyland? Et je sais, là, t'es en train de te dire what the fuck, évidemment. Mais imaginons qu'il aurait été assassiné à Disneyland. Et on sait donc que Thomas est mort à Disneyland. Thomas, le jeune de 19 ans. Il est mort et s'est fait écraser par un train. Peut-être, cela confirmerait que donc chaque personne morte à Disneyland peut-être reprendrait vie sous forme d'esprit? Étrange, non? Mais on va y venir, t'inquiète pas. Parce que l'enquête va beaucoup plus loin. J'adore tellement cette vidéo. Dans la même idée, 10 ans plus tard exactement, on a cette affaire qui a fait surface. Les invités et les membres de la distribution ont déclaré avoir vu Disco Debbie. Donc Debbie, pour ceux qui savent pas, c'est un fantôme vert brillant qui est à l'intérieur du manège à la base, pour faire rire un peu les enfants. Sauf que, en réalité, ce qu'ils auraient vu n'était pas du tout Disco Debbie. Non, ça serait un membre de la distribution qui est mort d'un anévrisme derrière le bâtiment de Space Mountain. Mais dis donc, Noah, qu'est-ce que c'est un anévrisme? Eh bien, on va tout de suite voir ça parce que je sais plus. Anévrisme? Anévrisme, gonflement et affaiblissement d'une zone d'une artère. Les anévrismes se produisent souvent au niveau de l'aorte, du cerveau, de l'arrière genou, de l'intestin ou de la rate. La rupture d'anévrisme peut entraîner une hémorragie interne ou un accident. C'est un mec qui s'est pété la gueule et qui est mort. On va partir sur ça. Parce que les détails sont un peu dégueulasses. De plus, des personnes ont rapporté avoir vu un homme aux cheveux roux et au visage rouge. Il s'assoit généralement à côté d'un seul passager. Le temps que le voyage se termine, l'homme disparaît. Il s'agirait du fantôme d'un mort pendant le trajet des années 1970. On l'appelle Mr. One Way. Et on le voit aussi parfois dans les vestiaires des membres de la troupe dans le bâtiment de Space Mountain. À ce moment-là, tu commences à ne plus rien comprendre. Et c'est normal, t'inquiète pas, à ce moment-là de l'enquête, j'étais aussi en mode what the fuck, mais ça parle dans tous les sens, je ne comprends plus, il y a trop de noms, what the hell. Mais t'inquiète pas, ça vaut la peine de s'accrocher, parce qu'on arrive tout bientôt, au moment très stylé. On y vient Léopold. Je vais perdre l'équilibre et mourir comme ça, ça aurait été très nul, vraiment. Passons à la prochaine enquête qui s'est passée encore une fois 10 ans, comme par hasard, plus tard. L'histoire est que plusieurs membres de la distribution qui ont travaillé sur It's a Small World, et donc il y a une petite attraction dans Disneyland, ont tellement aimé la balade qu'ils sont revenus y résider après leur mort. La légende veut que les lumières s'allument et s'éteignent, et que les poupées continuent à danser et à chanter après les heures de travail, lorsque l'électricité est coupée. Voici un des témoignages de l'époque.
Et je te préviens, c'est clairement étrange. J'ai travaillé sur ce manège pendant 6 ans. C'était le tout premier manège que j'ai appris en 1989. Je me souviens que je m'amusais pendant mes pauses en marchant dans le manège. Je marchais derrière les décors, sous les décors, et même à travers le mur au milieu de l'attraction. Oui, il y a une porte qui va de la région de l'Antarctique au début du manège à la scène finale. C'était un peu effrayant, sachant que parfois, je passais à côté de ces poupées qui bougeaient toutes seules. Alors qu'il n'y avait littéralement personne dans les environs. Et vous voulez savoir le plus horrible dans tout ça? C'est que l'électricité est débranchée. On est bien d'accord, c'est clairement pas net. Finalement, qu'est-ce que c'est la putain de conclusion de cette affaire? Eh bien, on a pu en retourner deux conclusions. Ça veut rien dire comme j'ai tourné ma phrase. On a pu en Ouais, moi je retourne des conclusions très souvent. Oui, je les prends et je fais... La première est que peut-être il s'agit tout simplement d'un coup de com' de Disney. Un coup de com' qui signifie un coup de publicité. Tout simplement pour que beaucoup de personnes fassent parler d'eux, comme moi actuellement. Spoil, ça marche. Ce qui signifie donc qu'ils auraient orchestré tout ça juste pour faire parler d'eux. Néanmoins, lorsque j'ai fait une petite enquête, j'ai bien retrouvé que les personnes mortes dans le parc de Disneyland sont bien mortes dans le parc de Disneyland. Donc s'il s'agit d'un coup de com', c'est vraiment étrange. Ça voudrait dire qu'ils auraient bien tué des gens et là, ça va beaucoup trop loin. D'après moi, ce n'est pas possible. Et ça nous amène à une seconde conclusion. Qui là, perso, me met pas très bien. Mais genre vraiment pas du tout. Est-ce que finalement le parc de Disneyland serait peut-être hanté? Est-ce qu'il ne se passerait pas des choses beaucoup trop glauques derrière? À mon avis, on nous cache énormément de choses derrière ce parc. Et on est qu'au début de cette putain d'enquête. Non, parce que je veux bien qu'il se passe un jour une enquête là derrière, en mode, il y a un fantôme ou il y a un esprit derrière, d'accord. Deux enquêtes? Ok. Trois enquêtes? Ça commence à faire beaucoup. Quatre? Non. Cinq. Rappelez-vous, la dernière enquête a éclaté récemment, lorsqu'on a vu cette putain de vidéo tournée sur internet. Je la repasse une seconde. Quel était ce putain de fantôme? Eh bien, une des conclusions qui est arrivée sur internet est qu'il s'agit tout simplement de l'esprit de Walt Disney. Mais d'autres personnes disent tout simplement que c'est une partie du manège qui est affichée là-bas en haut sur les toits. Deux théories, une rationnelle, l'autre moins. À vous de choisir. Sur ce, c'était Noah, et ce fut un plaisir. Bien évidemment, si t'as kiffé cette vidéo, je t'invite à me dire en commentaire si tu veux un autre épisode. Parce qu'à mon avis, il y a plein d'autres lieux où il se passe des choses similaires. C'était Noah ? Ajoute-moi sur Insta, je réponds à tous tes messages ce soir. Gros bisous. Allez, salut !